tous. Ravi de vous retrouver pour cette partie 726. Cette partie 726, c'est du vocabulaire courant. On est dimanche. La partie est enregistrée parce que je me trouve actuellement au tournoi du Perreux. Voilà. C'est un café cubain que je bois à votre santé. Il est carrément délicieux. Et je sais que vous êtes nombreux à suivre cette partie et que vous attendez le moment explosif de cette dernière, le moment où voilà, le scrap devient un spectacle. Et j'en suis ravi. Petite info pratique, le premier recueil de parties ODS9 est sorti. Il est, je sais plus, il a 5 ou 6 euros, je sais plus. Il est sur le site La Ronde des Lettres. Voilà, et je salue toute mon équipe de modérateurs. Si on peut mettre le lien de la, vers la boutique La Ronde des Lettres, je suis content, c'est tout. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Que vous dire d'autre, pardon? Ben rien, rien. Qu'il est délicieux. Alors, le DS9 est là, il va falloir s'y habituer avec les nouveautés. Donc voilà, les verbes dunker, jobber ne doivent plus avoir de secret pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente partie et vive le Scrabble. Voici Danemark D, Italie I. Suisse S, Tunisie T, Océanie O, Uruguay U, Maroc M, Danemark, Italie, Suisse, Tunisie, Océanie, Uruguay, Maroc, et 3 minutes.
m'adresse déjà à vous votre mot et votre score. Sur ce coup, vous allez jouer pour 20 points. Horizontalement, en H7, posez sodium. S-O-D-I-U-M. Sodium, le mot est connu. C'est pas facile du tout. Alors, j'ai vu une question de quiz. Le sodium... Est-ce que c'est un liquide? Est-ce que c'est un gaz? Est-ce que c'est un métal? Voilà. En fait, c'est un métal. Voilà, la réponse est très surprenante, je trouve. Hein. Voilà, c'est tout. Tunisité, c'est votre reliquat. Prenez Québec Q, Québec. Ah, juste, j'ai oublié de vous montrer un petit quelque chose. On a joué sodium, une petite ardoise, des mots de 7 et 8 lettres, il y en a 10, en diome, indium, médium, oïdium, podium, radium, sodium, cardium, érodium, iridium et rhodium, R-H-O-D-I-U-M. J'espère que ça vous plaît. Et vous demandez pourquoi ce nouveau bouquin, j'en ai pas donné à gagner. Eh bien, si, il y en a un ou deux ou trois à gagner, pour vous me marquer dans le chat le total de la partie, pas votre total à vous, le total que vous pensez que va faire la partie, et à côté, le nombre de Scrabble qui ont été joués au cours de la partie. Alors, par exemple, bon, c'est souvent des parties explosives. Hein. Je ne sais pas, ça peut être 1200 et il peut y avoir 6 Scrabble. Ou bien ça peut être 830 et il peut y avoir 4 Scrabble. Voilà, c'est ça votre pronostic pour essayer de gagner ce bouquin qui s'appelle... je ne sais plus comment il s'appelle, en tout cas... Il y a 20 parties commentées avec des ODS9. Voilà, c'est des parties qui sont choisies, vocabulaire tirage aléatoire, mais où il y a au moins, on a pris celle où il y avait au moins 2 ODS9 par partie. Tunisie, Québec, piochez un joker. Algérie A, Suisse S. Vous aimeriez un U1 hein, pour aller avec le Q. Vous le tirez deux fois, le U. Tunisie, Québec, Joker, Algérie, Suisse, deux Uruguay. Et 3 minutes.
Ah, il n'y avait pas le son, excusez-moi. Je redis ce que je viens de dire, je viens de me rendre compte que le son n'y était pas. Pardon. Statu quo, c'est le top. Il y avait le truquet, stuquet, le truca, des choses comme ça. Le plus incroyable, c'était un incroyable kumquat, joker K, et connaître le verbe musiquer, donc musica athée. L'anecdote très intéressante, c'est de savoir que dans tout l'ODS, il n'y a que trois mots qui se terminent par QUO. Statu quo, ex aequo et quiproquo. Voilà, qui viennent du latin, mais bon, ça n'étonnera personne. Maroc, prenez Maroc M, Hongrie H, Italie I, Xénophon X. Algérie 1, Tunisie T, Norvège N, Maroc, Hongrie, Italie, Xénophon, Algérie, Tunisie, Norvège, et 3 minutes.
Allez, c'est à vous, votre mot. Et votre score. Sur ce coup, un top à 56 points. En C7, horizontalement, sur le A de statu quo, posez Taximan. T, le A de statu quo, Ximan. Taximan, c'est en Afrique, un chauffeur de taxi, en Belgique également. Voilà. Et le pluriel, c'est taximan avec un S ou taximen. Peut-être une petite ardoise. Les 11 mots de cette quête qui se terminent par man, il y a brahman, bushman, clapman, drogman. Drogman, c'est super dur. Moi, j'ai appris drogman plus U égale gourmand, ce qui fait que j'ai plus de chances de retrouver drogman. C'est un 7 plus 1, voilà. Jazzman, ottoman, 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 pullman. Pullman, peut-être la prononciation, c'est pas ça. Showman, un showman, d'accord. Taximan, on en parle. Walkman et Wattman. Incroyable, Wattman. Plus de lettres devant. Si, pardon. Hongrie. H, c'est votre reliquat. Voici Suisse S. Italie I. Portugal P. Algérie A. Océanie O, Suisse S, ça vous en fait deux. Hongrie, Suisse deux fois. Italie, Portugal, Algérie, Océanie. Et 3 minutes. Allez, c'est à vous.
votre mot et votre score. Sur ce coup, on cherche déjà une possibilité éventuelle de Scrabble. Il fallait un N ou un E. C'est super dur, hein. Sur un E, il y avait isophase. Sur un N, il y avait phasion, le verbe phaser. D'accord? Néanmoins, 45 points. Horizontalement, en B10, de manière à former pi avec le i de taximan, partez à droite, posez. P-O-S-A-I-S. Ça forme pi, homme, ça et en. Avec les quatre dernières lettres de taximan. Vous avez posé, posez. Hongrie H. C'est votre reliquat. Voici Luxembourg L. Uruguay U. Roumanie R. Égypte E. France F. Italie I. Hongrie, Luxembourg, Uruguay, Roumanie, Égypte, France, Italie. Et 3 minutes. C'est à vous. Votre mot et votre score. Bon, très vite, vous voyez que
hélisurface ou fluographie ne passe pas. Allez, on va jouer pour 41 points. Horizontalement en D4. Relutif. Oh, c'est dur cette partie. RELU, le T de statu quo. IF. Relutif. Ça forme tu, xi et pif avec les lettres de Taximan. Alors, il faut savoir que relutif a deux anagrammes. Fleury, lifter, relutif. Voilà, regardez, ça apparaît à l'écran. Fleury, c'est pas trop dur. Lifter, c'est un peu plus dur. Relutif, c'est le plus dur des trois. Il vous reste Hongrie H. Voici. Un instant, juste quelque chose qui peut vous intéresser. Oui. Dans les nouveaux mots qui se terminent par IF, il n'y en a que trois. Il y a ANIF, A2NIF, il y avait ANIV que vous connaissiez, l'anniversaire, A2NIF. Opératif, en huit lettres. Et rectif, une rectification, rectif, voilà. Ça, c'est dit. Hongrie H, c'est votre reliquat. Voici Canada C, Belgique B, Hongrie H, non pardon, Italie I, Égypte E, Luxembourg L, Suisse S. Hongrie, Canada, Belgique, Italie, Égypte, Luxembourg, Suisse. Et 3 minutes.
C'est à vous. Votre mot et votre score. Difficile. Sur ce coup, vous allez jouer pour 37 points. Vous allez mettre un S à statu quo et horizontalement, en I5, vous posez Chisel. C-H-I-S-E-L. Chisel, c'est une grosse charrue. Un chisel, on dit. Voilà. Plus de lettres devant vous. Belgique B, c'est votre reliquat. Voici Algérie A. Océanie O, Norvège N, Égypte E, Maroc, non pardon, France F et Canada C, Belgique, Algérie, Océanie, Norvège, Égypte, France, Canada et 3 minutes. C'est à vous. Votre mot et votre score.
Alors, sur un i, il y avait un incroyable Boniface. Bonifac. Boniface. Et personnage simplet, un Boniface. 40 points. En H. 1. Poser banco. B. A. N. C. O. Banco. Ça rapporte 40 points. Des mots comme ça qui... regardez, banco, c'est un rhume de bacon, d'accord? Et sinon, c'est le mot de quatre lettres qui se termine par un C, qui est prolongé par un O. Ban, se transforme en banco, c'est évident. Mais si je vous ai dit, est-ce qu'il y en a d'autres? En fait, il y en a trois autres. Choc. Choc, vous mettez un O, ça fait choco. Croc, C-R-O-C, vous mettez un O. Et turc, O oui, turc, vous mettez un O, ça fait turco. Voilà, l'anecdote me semble intéressante. Ceci étant dit, Égypte, France, c'est votre reliquat. Voici Égypte deux fois. Ça en fait trois. Italie, I. Maroc, M. Grèce, G. Trois Égypte, France, Italie, Maroc, Grèce. Et 3 minutes. Allez, c'est à vous. Votre mot est votre score.
On va jouer pour 30 points. En 12B, verticalement, on va poser un incroyable sage-femme. S-A, déjà sur la grille, G-E-F-E, le M de sodium, M-E. Fabuleux! Que c'est beau le Scrabble! Sage-femme rapporte 6 points de plus que méfier. Italie, c'est votre reliquat. Voici Italie, ça vous en fait deux. Algérie A. Wallonie W. Égypte E. Norvège N. Et on va prendre une consonne à 2 points. Danemark D. Italie 2 fois, Algérie, Wallonie, Égypte, Norvège, Danemark. Et 3 minutes. Allez, votre mot et votre score. Sur ce coup, un top à 36 points en
E11, en E1, pardon, poser Diwan. D-I-W-A-N, ça forme Ra et An avec les lettres de deux premières lettres de relutif. Diwan, recueil de poèmes persans. Ça vient de divan. On lisait ces recueils allongés sur un divan. Donc ça donnait Diwan. Voilà. Je trouve intéressant de temps en temps de savoir d'où ça vient, tout simplement. Wi-Fi faisait autant. Égypte, Italie, c'est votre reliquat. Voici Yougoslavie Y. Tunisie T. Kenya K. Kenya. Algérie A. Hongrie H. Égypte, Italie, Yougoslavie, Tunisie, Kenya, Algérie, Hongrie. Et 3 minutes. C'est à votre mot et votre score. Sur ce coup, on va jouer pour 60 points. Il y avait un très beau yak à 57 points, un hockey à 58 points. Et pour 60 points, c'est verticalement en 1A.
vous posez Tiyad. T-H-Y. Le A, le D de Diwan, E, Tiyad, ça rapporte 60 points. Alors Tiyad, c'est les bacchantes dans l'Antiquité grecque, ça s'écrit également T-H-Y-I-A-D-E. Voilà. Italie-Kenya? Oui, il y a quatre mots qui commencent par T-H-Y, des mots de six lettres. Tiad, Timi, Timol, et j'ai oublié Timus, Thymus. Voilà, peut-être que vous aurez droit à une petite ardoise tout à l'heure, si techniquement c'est faisable. Italie-Kenya, vous allez rejeter. Je vous propose Tunisité. Roumanie R. Océanie O. Danemark D. Égypte E. Algérie A. Belgique B. Tunisie, Roumanie, Océanie, Danemark, Égypte, Algérie, Belgique. 3 minutes. Ouais, c'est déjà vous, votre mot et votre score. Alors,
Regardez bien. Alors, pas de Scrabble, mais dans les mains, vous aviez Déroba-Athée et son anagramme, Barodé. Je crois que ça va apparaître à l'écran. Oui, regardez, ça apparaît là, juste sous les scores. Déroba, Barodé. Aucun ne passe. On va jouer en 15B. Sur le S de poser, vous descendez Sabord. S de poser, A, B, O, R, D, E. Il y avait Sabaudé, ET, qui faisait autant. C'est une saucisse à précuire, spécialité lyonnaise. Eh ben, ça donne envie d'y goûter. Saucisson à cuire, pardon. Spécialité. Oui, je sais pas si j'avais dit saucisse ou saucisson. Tunisité, c'est votre reliquat. Voici Égypte E. Italie I. Grèce G. Roumanie R. Jordanie J, Océanie O. Tunisie, Égypte, Italie, Grèce, Roumanie, Jordanie, Océanie. C'est parti pour 3 minutes. Allez, c'est à vous. Votre mot et votre score. Sur ce coup, vous allez jouer. Pour 31 points seulement. Seulement, mais voilà, pour 31 points. Verticalement, en 11 J, vous descendez joie. J, O, I, E, joie.
Ça forme je, J-E, avec le E, le dernier E de sage-femme. Tout à l'heure, je vous ai parlé des mots commençant par THY. Je vous avais dit qu'il y en avait quatre en six lettres et j'ai oublié tears. Donc on a dit tiad, timi, timol, timus, tears. Et puis tia dans cette lettre, donc avec un i en plus, timine, timome. Voilà un ODS9, timélé, c'est un petit arbrisseau. Timique et plus connu, thyroïde. Voilà, ça c'est bien, ça c'est dit. Plus de lettres devant vous. Pardon, Grèce, Roumanie, Tunisie devant vous. Vous allez les rejeter. Donc, je disais donc plus de lettres devant vous. Voici Tunisie T deux fois. Piochez un joker. Norvège N. Algérie A. Égypte E. Roumanie R. De Tunisie, joker Norvège, Algérie, Égypte, Roumanie. Et 3 minutes. Est-ce à vous? Votre mot.
Allez, c'est à vous. Je crois que j'ai oublié le chrono et je crois que j'ai oublié. Je crois que vous avez une partie sans micro. Donc je m'en excuse. Votre mot, votre score, bien sûr. On va jouer pour 78 points. 2 points de plus que Ignore, Région. 4 points de plus que Gérion, Soigné, Origine. Oh, il y avait de quoi se rabbler. En 5C, vous allez me jouer un mot de 11 lettres. On appuie sur le en et le hoc, déjà sur la grille verticalement, vous posez renégocions. R, le E de relutif, le N de Diwan. E, G, le O de Banco, le C de Chiselle. I, O, N, S. On vient de jouer renégocions. Ça réveille. Partie plutôt, ben, très surprenante, quoi. Hein. On s'endort un peu et paf, d'un seul coup, ça nous réveille. Renégocions. Voici Algérie A. Venezuela V. Roumanie R deux fois. Uruguay U. Tunisie T. Norvège N. Algérie, Venezuela, deux Roumanie. Uruguay, Tunisie, Norvège. Et 3 minutes. Allez, votre mot et votre score.
On cherche les lettres d'appui. Sur un E ou sur un O, il y avait nervura athée ou rouvrant. Les deux sont durs. Alors, regardez bien. On va jouer un sous-top. Alors, je vous explique pourquoi. Le top, il est à 27 points avec un mot nouveau. Mais, lorsque cette partie a été conçue, l'ODS9 n'était pas sorti. Donc, regardez si on transforme pif en pifa. Eh bien, on peut partir. On peut prendre au passage le E de sage-femme et terminer sur le O de sabord avec un étonnant averto. Averto, mot nouveau, ça veut dire avertissement, un averto. On va jouer le sous-top à 23 points, horizontalement en E10, posé aveu. Le A qui fait pifa, V, le E de sage-femme, U, aveu, rapporte 27 points. Norvège. De Tunisie. Roumanie. C'est votre reliquat. Non, Norvège, de Roumanie, Tunisie. De toute façon, vous allez rejeter ce reliquat de quatre consonnes. Voici Égypte E. Égypte E. Égypte E. Égypte E. Égypte E. Venezuela V. Océanie O. Non, c'est bien Égypte E, je vous en entends dire. Et non, j'ai dit, excusez-moi, 5 fois Égypte, Venezuela et Zambie Z. Attention, je répète, vous jouez bien avec 5 E, V, Z. Égypte 5 fois Venezuela, Zambie. C'est parti pour 3 minutes. Allez, votre mot et votre score. Trente-quatre points sur ce coup.
en L3 sur le N de René Gaution posé venez. VE, le N de René Gaution, E, Z. On vient de jouer venez, ça rapporte 34 points. Il vous reste Égypte E trois fois. Voici Portugal P. Luxembourg L. Tunisie T. Norvège N. Trois Égypte, Portugal, Luxembourg, Tunisie, Norvège. Et 3 minutes. Allez, c'est à vous. Votre mot. Et votre score. Sur ce coup, on va jouer un petit mot pour 25 points. On transforme PIFA en PIFA AT et horizontalement en F10, vous posez TEF. T-E-F. TEF, c'est une céréale. Et ça s'écrit avec un F ou deux F. On arrive bientôt au terme de cette partie. Deux Égypte, Luxembourg, Norvège, Portugal. Prenez Kenya K, Kenya. Uruguay U. Deux Égypte, Luxembourg, Norvège, Portugal, Kenya, Uruguay. Et 3 minutes. Trois minutes pour
le dernier coup de cette partie. Allez, votre mot. Normalement, j'ai dû exciter votre curiosité lorsque j'ai dit c'est le dernier coup de la partie. Mais même en cherchant bien, je pense que c'est mission impossible. On termine par un coup en fanfare pour 48 points. Horizontalement en L3, on va prolonger Venez en Vénézuélien. VENEZ sur la grille, UEL. Le i de joie, E-N. Vénézuélien, c'est en L3. Ça rapporte 48 points. Quelle partie! Alors, j'espère que déjà, cette partie vous a beaucoup plu. J'espère aussi que vous y avez pris autant de plaisir que moi. Donc, regardez, ça s'affiche dans le chat. Vous avez le lien. Vous pouvez rentrer votre score et vous comparer à des centaines de joueurs. La blague du dimanche, puis le débrief. Alors, c'est Dark Vador qui rentre dans une boulangerie. Et la boulangère lui dit: Bonjour, maître Vador. Vous voulez trois pains et deux tartes tatin? Et lui, il est surpris, il dit: Mais oui, exactement, mais comment le savez-vous? Et là, elle regarde, elle fait: Pain, pain,
Pain, tartatin, tartatin. Tin, 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 tin. Le début, je le kiffe. Le gars, il rigole de ses blagues. Tu le kiffes, on le kiffe. En 3 minutes, vous allez peut-être plus apprendre qu'en 1 heure et demie de partie, sodium, le sous-top domus, doom ou mou, c'est un trinôme. Statu quo exceptionnel 95 points. Sinon, que t'as du verbe que t'es 87 points. Stuka, le verbe stuquer, 87 points. Musica, j'en ai pas tout parlé tout à l'heure, 82. Muscan, le verbe musquer. Kumquat, extraordinaire, kumquat. Taximan, 56 points. Inuma, 44. Posé, 45 points. Pardon. Aspi, 36 points. Alors, on avait relutif, c'est l'anagramme de lifter et de fleuri. Surfile, 33 points. Rétif, 29 points. Chisel, 37 points. Biche, 35 points. Chille, 33 points. Boniface sur un i. Banco, anagramme bacon. Once. Là-haut, qui est magnifique, hein, regardez, 38 points. Café, 33 points. Sage-femme, rien à dire, juste extraordinaire. Méfier, 24 points. Émier, le verbe émier, 21 points. Sachez au passage que l'anagramme de émilleron, ONT, c'est énormité. Très très beau binôme. Diwan, 36 points. Wifi, 36 points. Ewe, 33 points. Tillade, 60 points. Ok, 58 points. Yak, 57 points. Sabaudé, 39 points. Saborde, 39 points. Saboté, 36 points. Égé, 31 points. Joie, 31 points. Yogi, 31 points. Jeté, 30 points. Barretant, barrette. Batter, batteron, on est à 80 points. Renégocions, fabuleux. Ignore, région, il y a 6 anagrammes. Voilà. Rouvrant ou nervura, sur un E ou sur un O. Averto, on l'a dit, ODS9. Avant, aven, aveu, 23 points. On choisit, une fois n'est pas coutume, le sous-top. Venez, 34 points. Mezze, 26 points. Zé, 26 points. On ne s'attend pas à ça, mais on va transformer venez en vénézuélien. Alors, pas tout de suite. Tef, 25 points. Yen, beaucoup sont restés un point de moins, parce que c'est plus logique. Epel, 20 points. Et là, on va transformer venez en vénézuélien. C'est juste fabuleux. On perd 14 points, le sous-top, lek, mais on sait pourquoi on les perd. Écoutez, j'espère que cette partie aura su vous distraire, que vous aurez passé un agréable moment. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses, que ces ardoises vous séduisent. Je le sais en fait, que ces ardoises vous plaisent. Je vous envoie ça. Merci, merci pour tous les nouveaux abonnés. Voilà, 10 euros par mois pour progresser plus vite avec l'arrivée de l'ODS9 et pour apprendre ensemble. Je savoure. C'est parti en votre compagnie. Je savoure ces vidéos et la réussite qui l'accompagne. Je remercie mon équipe de modérateurs. Je vous embrasse. Je vous remercie. Je vous dis à mardi pour la partie Joker. Bonne soirée et vive le Scrabble. Tin, 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 tin.